Rémi Banquefette, vous êtes l'ancien président de la Société d'histoire de Neuville, parmi les fondateurs aussi de la Société d'histoire ici. On se retrouve dans vos locaux avec toutes sortes de documents. On est dans une caverne d'Ali Baba ici à Neuville. D'abord, Monsieur Morissette, qu'est-ce qu'une société d'histoire? Qu'est-ce que vous faites ici à Neuville dans la Société d'histoire? D'une part, la société a comme objectif de consolider, faire des écrits sur l'ensemble du patrimoine ici à Neuville, qui avait été négligé pendant, je vais vous dire, jusque dans les années 1900, on n'avait colligé à peu près rien de son histoire. Alors, on avait cet objectif-là. Et de plus, on avait aussi l'objectif de rendre ça plus démocrate, d'amener les gens à venir chercher eux-mêmes des renseignements et de l'information sur le patrimoine de Neuville. Donc, c'est comme une bibliothèque, on voit que les livres sont classés, les gens peuvent aller consulter les documents. Tous les gens, les membres surtout, mais les d'autres aussi, là, peuvent venir ici consulter l'ensemble de nos documents, l'ensemble de nos artefacts. On met ça à la disposition de tout le monde et on a la confiance du public, ce qui était très intéressant. On a eu jusqu'à 400 quelques membres là, d'un endroit où il y avait à peine 4000 personnes à ce moment-là. Wow, quand même, bon. 10% d'adhésion de la population, c'est vraiment incroyable. On a été appuyé énormément par la population. Si là, vous voyez là, l'ensemble des livres, là, c'est surtout pour les généalogistes qui viennent travailler. Mais on travaille beaucoup sur d'autres sujets comme des recherches sur l'ensemble des éléments qui ont habité Neuville depuis les débuts de la colonie. Puis quel genre de documents, justement, on peut trouver ici? Là? Quel genre de trouvailles on peut faire à la Société d'histoire? Bon, je vais vous donner des exemples. Par exemple, on a trouvé et obtenu, on l'a ici même, là, le journal de bord du lieutenant Thomas qui était sur l'Atalante au moment de l'attaque des frégates anglaises de Québec. Lors de la conquête. OK. On a l'original. Puis ça a été trouvé à Neuville ou c'est quelqu'un qui vous l'a apporté? Comment ça fonctionne? On savait, on a su qu'il existait. OK. Et finalement, on est allé jusqu'en France pour l'avoir. Vous l'avez commandé, là? On l'a commandé. Et en France, pour eux autres, celui qui le possédait avait aucun intérêt là-dedans. Alors, il nous a offert un prix et puis on a négocié, puis on a pu l'acheter. On a un deuxième élément qu'on trouve maintenant important et qu'avant, on ne savait pas que c'était important. À force de recherche, finalement, on a trouvé qu'on avait un deuxième chantier maritime ici à Neuville. Il y avait un premier gros chantier ici qui s'appelait le chantier Hippolyte Dubard. Et puis, il y en avait un deuxième là, qu'on négligeait parce qu'on le trouvait... On trouvait à peu près pas d'informations dessus. Et finalement, à force de recherche et de ténacité, je vais vous dire, on a réussi à connaître quel était ce chantier-là et on s'est aperçu que ce chantier-là avait construit le plus grand navire qui avait été construit dans les alentours, y inclus Québec. OK, wow! Alors, ce chantier-là rivalisait avec les chantiers maritimes de Québec. Le fait que la confiance a eu lieu avec la Société d'histoire, on a eu certains dons qui nous ont étonnés à un moment donné, puis avec lesquels on a réussi à avoir des affidavits pour faire la preuve d'authenticité. OK. Je vais vous nommer juste un de ces choses-là, un de ces découvertes. C'est le coffre-fort de Marguerite Bourgeois. OK. Quelqu'un vous a apporté ça? Nous a demandé si on avait de l'intérêt, évidemment. Et on a dit oui, mais on a dit il faut être capable de l'authentifier. D'être certain que quand on va donner des renseignements et de l'information, de l'authenticité de ce coffre-fort. C'est des choses qui relèvent des années 1700. Vous savez que c'est assez important quand on a ce type d'artefact. Donc, c'est pas seulement l'histoire de Neuville, finalement. C'est Neuville, ça. Parce que le coffre-fort de Marguerite Bourgeois... Elle était ici. Elle est venue ici, à Neuville. Et elle a fondé, d'ailleurs, les congrégations de Notre-Dame, les sœurs, qui sont ici depuis 1716. Ah, wow, OK. Alors,
Et il y a, pour faire une histoire courte, là, il y a un contracteur qui travaillait les maisons anciennes, puis les éléments anciens de la communauté, tout à fait gratuitement. Il faisait ça comme, comment je dirais, comme mécène. Et puis, finalement, à la société des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, pour le remercier, lui ont remis le coffre-fort. Alors lui, il a gardé ça dans ses bâtisses là, d'entrepreneur. Et puis, à un moment donné, en vieillissant, il m'a appelé. Puis, il me dit, bon, j'ai ça, est-ce que vous êtes intéressé? Mais alors, je voulais donner, hein, j'ai dit oui, mais à la condition de pouvoir avoir un minimum de certitude que ce coffre-fort vienne appartenir à Marguerite Bourgeois. Finalement, l'année suivante, il est décédé, le Ah monsieur. oui, donc ça a été juste C'était, ça a inextrémiste. rien, mais on l'a eu. Alors, Alors. c'est tous des éléments, ça, qui finalement, pour le patrimoine de Neuville, c'est très important. Donc, on invite vraiment les gens à venir fouiller dans les archives, à venir découvrir des choses sur leur généalogie, Aussi. sur leur famille, sur l'histoire du coin. Donc, merci beaucoup, Oui. monsieur Morissette. C'est passionnant. Saviez-vous que l'éboulis de Saint-Alban a été un cas d'étude pour le premier géologue canadien-français? C'est le traître et professeur de minéralogie, Joseph Clovis Kemner Laflamme, qui a été le premier à détailler ce phénomène. Conférencier brillant et vulgarisateur de talent, il a occupé d'importants rôles dans le système d'éducation. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, il a été successivement directeur du Petit Séminaire de Québec, doyen de la Faculté des arts et recteur de l'Université Laval. Intéressé par les catastrophes géologiques, plusieurs de ses travaux portent sur les éboulements ou les glissements de terrain. C'est en 1894, tout juste après le cataclysme, que le scientifique publie le texte intitulé « Modifications remarquables causées à l'embouchure de la rivière Sainte-Anne par l'éboulis de Saint-Alban ». Ce précieux texte est conservé à la Bibliothèque du Canada. C'est un témoin privilégié de cet événement qui a complètement transformé le paysage d'une partie des villages bordant la rivière Sainte-Anne. David Lesage, tu es directeur général du Centre d'archives régionales de Portneuf. On est ici dans le sous-sol où toutes les archives sont entreposées. Dis-moi, qu'est-ce qu'un centre d'archives régionales exactement? Bien, avoir un centre d'archives régionales, en fait, c'est on est privé. Donc, on est vraiment, notre but, c'est vraiment de conserver le patrimoine archivistique, mais de la région. Donc, ici, à Portneuf, notre but, c'est de conserver le patrimoine archivistique de Portneuf. OK. Puis, quel genre de documents on peut retrouver dans le centre d'archives? En fait, toutes sortes. Dans le fond, on a vraiment les archives privées, donc tout ce qui vient, dans le fond, des individus, des entreprises, des organismes, dans le fond, privés. On peut trouver toutes sortes de documents, dans le fond, des plans, on peut trouver des vieux livres de comptes, on peut trouver des documents textuels, on peut trouver des photographies, des négatifs. Et de l'autre côté, on a aussi, on peut conserver des documents, en fait, publics, à condition que BANQ donne l'autorisation. OK, donc vous êtes affilié avec le Centre d'archives national. Exactement. Donc, on est un partenaire, en fait, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. OK, puis quel genre d'archives sont intéressantes? T'sais, si moi, par exemple, j'ai à la maison toutes sortes de papiers de mon arrière-grand-mère, des livres de comptes, des photos, est-ce que ça vaut la peine d'amener ça ici? À quel moment on sait que c'est des archives qui sont importantes, intéressantes pour la région? Bien, tout d'abord, il faut que ce soit des documents uniques. Donc, un document d'archive, par définition, c'est un document unique. C'est habituellement pas une C'est photocopie pas une qu'on fait. reproduction. OK. Exactement. Donc, c'est vraiment un original. OK. Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est surtout quand on voit des personnes, quand on voit des événements, des activités de la région ou de la famille, dans le fond. Donc, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Dans le fond, on a tout ce qui est aussi, tout ce qui est inédit. Donc, non publié. Donc, mettons, les livres qui sont publiés, ça devient plus de la bibliothèque. Nous, c'est vraiment plus les archives. Donc, tout ce qui est inédit, tout ce qui n'a pas été publié, diffusé, donc. Puis, est-ce qu'il y a une façon où on arrive ici avec nos archives et là, toi, tu peux évaluer si c'est intéressant ou on accepte tout? Comment ça fonctionne? Dans le fond, le processus est assez. C'est du cas par cas, surtout. Dans le fond, souvent, soit quand je reçois des appels, soit un email, dans le fond, il y a toujours un premier contact. Après ça, ben, c'est sûr qu'on regarde, on évalue.
grossièrement un peu, c'est quoi le fonds d'archives? Donc, qu'est-ce que ça concerne? C'est quoi les dates? Est-ce que ça vient ajouter plus d'informations qu'on conserve déjà? Donc, on évalue ça. Si la réponse est oui, bien là, on va voir c'est quoi le fonds. Et on va faire un premier inventaire. OK. Donc, après ça, il y a un contrat de donation qui va être fait. Donc, qu'on va décider, dans le fond, que le donateur nous donne les droits d'auteur, les droits d'utilisation, donc tout ça. Le droit de conservation. Puis après ça, bien, on va faire un vrai tri archivistique. Donc là, on va décider si oui ou non le document vient, il est fiable, s'il vient apporter un est original, s'il vient d'apporter plus d'informations, s'il est intéressant pour l'histoire de la région ou de la famille qui vient de la région. Okay. Et après ça, bien, justement, ce qu'on ne va pas garder, dépendamment de la convention, soit qu'on remet à la famille, soit qu'on nous permet de le détruire, soit que c'est des objets, parce qu'on ne conserve pas vraiment les objets. On est vraiment dans toute information sur un support. Qui est papier, essentiellement. Papier ou information sur un support. Okay. C'est assez particulier parce que, dans le fond, aujourd'hui, avec le numérique, ah, oui, okay. Tout ce qui est, mettons, CD. Exact, CD, USB, si c'est des documents produits numériquement, ça devient des originaux. Quel genre de trésor on peut trouver dans les archives ici? Est-ce que toi, comme directeur, tu as fait des découvertes? Quand même! En fait, une des choses que j'aime beaucoup... vraiment tout prêt? Exactement! C'est un document qu'on a découvert... Il est assez grand. Wow! En fait... Est-ce que c'est un clocher d'église? On dirait une sorte de clocher ou d'une tour, exactement, qui vient sûrement du projet Gaudry, donc à Donnacona. OK! Ça devait être construit, ça n'a jamais été construit. Ça n'a jamais été construit, en tout cas pas à ma connaissance. Déjà sur un type, dans le fond, de document, pas un papier normal, mais en plus un genre de plastique. Donc, ouais, c'est ça, OK. Ça a l'air de quelle époque? En fait, vite de même, je dirais peut-être, j'ai pas beaucoup d'informations dessus, mais je dirais peut-être dans les années comme 70. OK, quand même, c'est assez récent. On conserve aussi des archives relativement récentes. Exact. Bon, on conserve en fait toutes sortes d'archives. Notre plus vieux document date de 1699. OK. Et notre plus récent, ben, date d'à peu près 2018. Donc. OK. Alors, on a vraiment toute une panoplie de choses. Et puis... Justement, avec le centre d'archives régional, est-ce que vous avez des projets pour les mettre en valeur, ces archives-là? Qu'est-ce que vous pouvez en faire, finalement? Bien, notre plateforme de diffusion numéro un, c'est notre page Facebook. Mm-hmm. Donc, habituellement, une fois ou deux par semaine, on publie une petite chronique, une petite capsule, dans le fond. Une capsule historique? Exactement. En lien avec les archives? En lien avec les archives, donc on la publie directement sur Facebook avec une petite description et tout ça. Sinon, bien, on a commencé à participer avec le projet Chronoscope. Donc, le projet Chronoscope, c'est en fait une diffusion d'albums du centre d'archives, des différents centres d'archives. Et dans le fond, c'est en haute résolution. Et le monde peut identifier, dater, commenter, décrire, en fait. Donc, c'est vraiment une grosse plateforme. Une plateforme de photos. Exactement. Okay. Donc, c'est surtout des photos dans un but de collaboration et de participation, en fait, avec le public. Parce que les centres d'archives, on n'a pas toujours toute l'information. C'est des fois très difficile d'identifier. Souvent, bien, les personnes... savent cette information-là. Et avec le temps, on va la perdre. Donc, mieux vaut commencer à essayer de la consigner à quelque part, donc en faisant des plateformes de collaboration. Comme ah oui, ça. C'est beaucoup du bouche à oreille. On dit « Ah oui, je sais, je reconnais cette personne-là. » Et donc, toi, tu ne la connais pas. Des gens de la région reconnaissent les gens sur les photos, peuvent ajouter des commentaires. C'est vraiment super. Donc, très belle façon de mettre en valeur les archives. Merci beaucoup, David Lesage. Ben, on invite plaisir. Les gens à venir faire... un petit tour, c'est-à-dire il faut s'annoncer, n'est-ce pas? Exactement. Donc, okay. Soit par appel téléphonique, soit par email, soit par le Messenger, en fait, du Facebook. Même par Facebook, on est tellement techno. Ah archives. Oui, donc... super. On essaie de se moderniser, hein? Oui, c'est ça. Poursuivre. Super, merci beaucoup, David. Ben, ça fait plaisir, merci à toi.